Salut, salut tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous allez bien, c'est votre humble serviteur Héritor. J'espère que vous ne paniquez pas trop, parce que franchement, avec cette histoire du coronavirus là, comme on dit, c'est pas du jeu. C'est pas du jeu, il faut vraiment respecter les consignes données par le gouvernement, et il faut vraiment les suivre à la lettre. Voilà, il faut vraiment vous laver régulièrement les mains. En tout cas, suivez les consignes. Bon, c'est vrai que dans le titre, il y a coronavirus, mais c'est pas du coronavirus. On va parler parce que en fait on parle de deux artistes dans cette vidéo, deux monuments de la musique africaine que j'ai nommé Ibawan et Debordo Likofa. Voilà, on va essayer de développer, d'analyser la situation de ces deux artistes là par rapport aux œuvres qu'ils ont sorties et par rapport à leurs différents projets à venir. Donc restez connectés, on se prend juste après le générique. Bonjour tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous allez bien, c'est votre humble serviteur Héritor. En tout cas, si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner. Et puis, si t'es content, lâche-moi un pouce bleu, partage-moi. Bon retour, vous savez, hein, c'est toujours First King. Voilà, First King. Pour ceux qui ont déjà regardé le clip de First King peuvent témoigner. C'est un clip haut en couleur, de très 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 belles factures, de très bonne qualité. Franchement, c'est l'un des réalisateurs des clips de Wizkid qui a réalisé ce clip. Donc, c'est pourquoi vous voyez ce résultat-là. Le lien est toujours dans la description. Hein. Le lien est toujours toujours dans la description parce que First King, c'est un gros talent. Voilà, c'est un talent très prometteur même pour la musique africaine. Donc, il faut vraiment le soutenir dès maintenant. Dès maintenant, dès maintenant. Vous avez dépassé la barre des 10 000 abonnés, allons-y pour les 20 000. Je compte vraiment sur vous. Nous sommes nombreux ici. C'est vrai que certaines personnes n'arrivent pas à retrouver le lien dans la description, mais il y a une flèche là. Il faut quand vous cliquez dessus, normalement, il y a un dépliant. Vous allez voir toutes les informations. Là-bas, il y a le lien de Que du Sale, il y a le lien de la chaîne de même Ibawan et tout ça. Donc, continuez à soutenir First King. Franchement, soutenez First King. J'ai besoin de votre force pour cet artiste-là. Merci. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Avant tout propos, j'aimerais d'abord dire ceci à certaines personnes. On me dit, Héritor, Debordo ne te calcule pas, tu te tues pour lui. Malgré, bon, tout ce que vous savez, ils se reconnaissent déjà. Je vais vous dire, c'est pas ce qu'il va faire. Et puis, je ne vais pas faire la promotion de l'artiste. Ou bien, je ne vais pas donner des conseils à l'artiste. Ou bien, je ne vais pas réagir à l'artiste. Non, c'est que vous ne connaissez pas Héritor. Moi, je suis un homme de principe. J'ai fait un mois et demi sans parler de Debordo Likofa. Vous savez par rapport à quelle affaire. Mais si vous voyez, vous constatez actuellement que je continue de parler de lui, c'est l'amour d'un fan, c'est tout. Pas plus. Tu n'attends rien de lui. Franchement, hein, c'est pas pour m'en moquer, c'est pas que Jean, c'est pour le diminuer, mais franchement, je n'attends rien de lui. Je le fais avec le cœur. Tant que ça peut l'aider, tant que ça peut réconforter ses fans qui le suivent, alhamdoulilah, moi je suis content. Moi je suis très heureux. Donc ne vous fatiguez pas. Parce que j'ai l'impression que dans vos paroles, c'est une manière de vouloir me décourager pour dire que. Tantôt tu clashes l'artiste, tantôt l'artiste même te clash, tantôt l'artiste ne te voit pas, tout ça là c'est pas grave. Mais je vais toujours continuer à parler de l'artiste Debordo Likofa parce que c'est mon artiste. Vous comprenez bien, c'est mon artiste. En quoi tu vois ici là, c'est mon préféré et j'assume. Voilà. Si c'est pour ça que tu ne veux pas t'abonner, faut pas t'abonner, mais tu vas toujours te cacher pour me regarder en fait. Voilà. Donc ne vous fatiguez pas, ne vous fatiguez vraiment, vraiment pas sur ce sujet là. Sur ce point là, comme on dit, cliquez sur quitter quoi. Voilà, oubliez même, ne vous fatiguez pas. Parce que ça n'a aucun impact sur moi. Voilà, je peux me lever aujourd'hui, je parle de Bordeaux, demain je me lève, je ne parle pas de lui, je parle de lui quand je voudrais, mais ne pensez pas que je vais arrêter de parler de lui. Voilà. Maintenant, pourquoi je dis par exemple coronavirus avantage, ça arrive, voilà, avantage ou inconvénient pour le cul du sac de Bordeaux et Koufa? Parce que on n'a qu'à se dire certaines vérités. Bon, on dira que c'est au regard des nombreuses dérives ou bien dérapages de l'artiste que les gens disent ça, mais. Si je trouve que c'est méchant de se moquer on va dire, de la sortie, de la dernière sortie de l'artiste, parce que comme quoi, il ne peut pas faire sa promotion, il ne peut pas aller dans les boîtes, il ne peut pas tourner et tout ça. Mais ce que vous ne savez pas, c'est vrai, le coronavirus sévit actuellement, mais tôt ou tard, on va enrayer, on va neutraliser ce virus-là et il sera banni de la planète Terre. Mais je vais vous dire une vérité, comme je l'ai dit dans un direct fun que j'avais fait, je crois, avant-hier. Mais quand on va dire coronavirus, est fini là. Le coronavirus a été éradiqué là. C'est là que vous allez voir si le coronavirus a été vraiment quelque chose de mauvais
pour déborder les couffins. Ne pas dire pour que les salles de déborder les couffins. Parce que les boîtes de nuit, les maquis, les caves, en tout cas pour fêter vraiment cette bonne nouvelle-là, c'est pas le que du sale. Il y a des gens, il y a des DJ comme je vous dis, qui sont impatients de faire un mixage que du sale, de faire danser leur clientèle sur la piste de danse avec que du sale. Parce que le morceau il est très lourd. Donc ce n'est même pas un inconvénient pour que du sale de Bordeaux. Bien au contraire, c'est un gros avantage. Mais c'est quand le virus sera éradiqué, vous allez comprendre. Et puis vous dites que l'artiste ne fait pas sa promotion. Mais nous, on fait bien sa promotion. Il y a Force à Déborda qui fait sa promotion, il y a beaucoup de groupes qui font la promotion, les vidéos de démo, challenge sont en train de pleuvoir sur Facebook. Donc de quoi vous parlez en fait? C'est-à-dire l'artiste est assis seul tranquillement chez lui à la maison, il ne parle même pas. En trois petits jours, il te dépasse la barre des 500 000 vues. Voilà, il faut des Bordeaux ou Arafat qui fait ce genre de choses-là. Voilà, peut-être c'est ce qui fait mal à certaines personnes, mais c'est comme si c'est Dieu donné. Dieu ne donne pas tout, chacun a sa chance. Aujourd'hui, Beno est devenu très influent, très célèbre, très professionnel. C'est sa chance. Mais il y a des trucs là, Dieu ne donne pas tout. Voilà. Ce sont des gens de personnes qui ont beaucoup de défauts, mais qui sont aimés malgré tout. Qui sont aimés comme ça. Donc, n'essayez pas de vouloir boycotter ou bien de vouloir vous moquer de la situation. Bien au contraire, la situation, c'est pour nous tous. Hein. Ni n'est à l'abri. Mais au moins, c'est un fichier que dit ça, c'est un fichier audio. Il ne meurt pas. Vous comprenez un peu, non? Il ne meurt pas. Le virus ne peut rien faire à que du sale. Donc, peut-être vous qui êtes en train de rire là, je touche du bois, ce que je ne sais pas, vous pouvez contacter le virus et puis vous voyez un peu, c'est pas suivre. Mais que du sale de Bordeaux va toujours exister. Donc, arrêtez de vous moquer, arrêtez de jubiler que du sale soit sorti et que l'artiste ne puisse pas faire sa promotion. Sa promotion se fait très bien. Donc, juste vous dire, écoutez-moi bien, juste vous dire que du sale va cartonner après même, c'est-à-dire le morceau cartonne déjà, hein. Actuellement c'est le morceau qui contrôle, on peut pas se mentir, même si tu n'aimes pas l'artiste tu vas reconnaître, c'est le morceau qui contrôle actuellement où je suis en train de vous parler, le game du coupé décalé. Claire, je vous avais déjà dit que du sale serait l'un des plus beaux morceaux de la décennie dans le coupé décalé, je vous ai déjà dit, et puis au regard des commentaires vous avez bien vu que j'ai pas menti, en tout cas 95 à 97% des demandes sont unanimes que du sale est une tuerie, donc ne s'achauffe pas. Il n'y a pas de bruit dedans. Donc, riez, moquez-vous, mais vous serez surpris même quand Dieu va nous donner la grâce de pouvoir neutraliser ce virus-là. Vous allez voir comment le cœur du sale va faire danser les gens à travers le monde. Vous ne réalisez pas. Il y a Gamboula comme ça, là, lui, il est pressé même. Gamboula Fitness, le gars, je crois, il est au Canada ou bien, je ne sais pas où il est là. Il est pressé de faire une chorégraphie dessus. Il y a beaucoup de personnes qui sont pressées de faire des chorégraphies dessus pour faire encore la production du son. Mais à cause de la situation de confinement là, on est obligé, les gens sont sur les soifs en fait, ils sont pressés, mais vous allez voir, ce sera un boom après avoir trouvé la solution de ce virus là. Voilà, donc c'est pas un inconvénient pour Déborda Likoufa, c'est pas un inconvénient pour que Lissan, ça va être clair de monter. Rien pour le moment, on dit qui regarde le premier, regarde le dernier, on se regarde, non, on est là. Voilà, l'essentiel que Lissan contrôle, 500 000 vues, plus de 515 000 vues en 3 petits jours, bien compté. Il faut respecter l'artiste, il faut respecter l'artiste. Et puis, il sait que dans les 500 000 vues là, il y a peut-être 350 000 vues là. Ce sont ses détracteurs sûrement. Ils écoutent et puis ils dansent à la maison. Bref, je pense que j'ai été clair sur l'affaire que du sale et cette fois du coronavirus. Toujours le coronavirus, mais cette fois-ci avec la légende vivante de la musique malienne. L'artiste, chanteur, rappeur, parce qu'il ne sait pas que rapper, hein, il sait chanter aussi. Vous avez écouté, tout va bien, vous avez écouté, Nidjougouyabila, il a beaucoup de sons, il sait chanter aussi. Donc, je ne l'appelle plus rappeur. C'est vrai, c'est le meilleur rappeur pour moi au Mali, mais il sait chanter aussi. Donc, il est un artiste complet, on est d'accord? Il s'appelle Ibawan. Normalement, il a un gros rendez-vous, un très gros rendez-vous au stade du 26 mars, juste après, aussi, si vous voulez, au lendemain de la fête de Ramadan. Mais actuellement aussi, vous savez que... des mesures sont prises. Les rassemblements de plus d'un certain nombre de personnes ne sont pas permis dans tous les pays du monde. Voilà. Que tu n'es pas encore détecté de cas, il faut déjà prévenir. Donc, moi, je suis un peu inquiet. Je suis vraiment inquiet parce que je me dis, est-ce que ce rendez-vous-là aura lieu? Est-ce que la saison 3 du stade du 26 mars avec Ibawan et tous les gladiateurs du monde entier va pouvoir se faire? C'est la question que je me pose en fait. Donc, je pense que pour Ibawan et pour ce gros rendez-vous-là, c'est vraiment inquiétant. Et moi, tout ce que je désire, j'appelle tous les fans d'Ibawan, j'appelle tous les vrais gladiateurs à travers le monde de rentrer en union de prière. Si on veut vraiment, vraiment que ce projet-là voit le jour, que ce grand rendez-vous-là ait lieu, je pense que c'est dans la prière. Voilà, c'est dans la prière. Priez pour que
cette situation-là soit vite maîtrisée, vite gérée, avant même le rendez-vous. Parce que jusque-là, il n'y a pas encore eu annulation. Jusque-là, il n'y a pas eu encore annulation. Mais si cela perdure jusqu'à ce que nous tombons dans la fête de Ramadan, vous allez voir que ce rendez-vous-là sera reporté à une date ultérieure. Vous comprenez un peu? Mais ce serait bien dommage. Ce serait bien dommage. Et c'est ça mon inquiétude. J'ai pensé à ça ces deux derniers jours-là. Donc, j'ai bien voulu faire une vidéo pour vous en parler, pour vous expliquer, pour vous dire vraiment, de vraiment, vraiment, vraiment prier Dieu pour que ce virus-là nous lâche, voilà, qu'il disparaisse, qu'il ait pitié de nous, voilà, parce qu'on a envie de voir notre Ibawan. Peut-être vous aurez votre homme serviteur et retour sur le podium même avec votre artiste et tout ça. Franchement, moi, je suis très impatient de ce rendez-vous-là et en même temps inquiet à cause de ce sale virus-là qui est en train de nous foutre la merde, qui est en train de tuer des pauvres victimes à travers le monde. Donc, franchement, union de prière, cher Gladia, union de prière, voilà, même si tu n'es pas fan d'Ibawan, que tu es fan de la musique, il faut prier pour que nos artistes puissent nous égayer, même si actuellement c'est un peu bizarre, voilà, quand c'est comme ça, ça ne donne même pas l'inspiration de rentrer en studio, ça ne donne même pas l'inspiration de, comment je dis ça, de faire des vidéos. Vous avez bien remarqué, je faisais 2 vidéos, 3 vidéos par jour, ces derniers temps-là, mais depuis cette fois-là, c'est devenu tellement sérieux que j'ai même plus le courage en fait, vous voyez un peu, voilà, donc je tenais vraiment à faire cette vidéo-là pour interpeller les Gladia, pour dire franchement, il faut beaucoup prier, il faut beaucoup prier, si vous aimez vraiment votre artiste, il faut beaucoup prier pour que tout se passe très très bien, et qu'avant même le Ramadan, cette situation-là soit réglée. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu, hein. J'espère que la vidéo vous a plu, j'ai parlé de tout, j'ai parlé de Bordeaux, j'ai parlé de Ibawan, j'ai mis des points sur les i, en tout cas, partagez la vidéo, et puis, si vous, comme je vous ai dit en début de vidéo, soyez prudents et respectez toutes les consignes données par vos différents gouvernements. Que Dieu vous bénisse, c'était votre MCV Territoire. Ciao, ciao.